Désolée, je te reste putois. Êtes-vous prêts pour un conte de fées d'un temps? Voici qu'autrefois, un bateau pirate arriva au pays imaginaire. Les pirates sanguinaires accostèrent à la recherche du trésor le plus précieux au monde. Une fée. J'ai peur des pirates. Ils écumèrent le pays imaginaire jusqu'à ce qu'ils trouvent une fée. Ils la poursuivirent, la capturèrent, la forçant à leur offrir le plus magique des trésors, le fabuleux miroir. À l'aube des temps par la magie des fées, il possédait le pouvoir d'exaucer 3 vœux parmi les plus chers à votre cœur. C'est vrai, ce miroir exauce les vœux? Absolument. Les pirates exaucèrent 2 de leurs vœux, mais avant de pouvoir exaucer le 3e, leur navire sombra près d'une île au nord du pays imaginaire. Et le miroir d'un Kanta, avec un dernier vœu à exaucer, fut perdu à jamais. On dit pourtant que des indices pour le trouver sont cachés dans cette antique chanson. Quelque part au nord du pays imaginaire se trouve une île lointaine où tu dois toucher terre. Même si tu es seul et sans repère, tu trouveras de l'aide et une arche de pierre. Une arche de pierre. Vers le nord de cette île, il existe un passage. Il faut payer le prix au troll du fond des âges. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois qu'elle a dit qu'il fallait payer au péage. Au péage? Oui, mais je ne sais pas combien ça coûte. Et pour finir, tu affronteras la planche du navire qui coula, mais attends sa revanche. Et à tribord, parmi ses trésors, un miroir magique attend encore. Et prudence et méfiance et réfrène tes ardeurs. Ne souhaite que le bien ou attends-toi sur l'heure. Avoir ta découverte, ne faire que ton.